continue les petites vidéos sur mes jeux de société préférés. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mon jeu de draft. Oui, mon jeu de draft préféré, Big Monster. Vous allez me dire, mais un jeu de draft, c'est pas plutôt avec des cartes? C'est pas faux, mais ce qui n'empêche pas de faire de Big Monster également un jeu de draft, même si ce sont des tuiles que nous allons retrouver à l'intérieur, car ces tuiles, on va se passer les paquets, en choisir une, comme dans un draft classique, la garder, et passer donc le paquet à un voisin. Pas forcément celui de droite ou de gauche, c'est là qu'on va changer par rapport à un draft un peu plus classique. Ce paquet-là, vous le passez à qui vous voulez autour de la table, sous réserve que cette personne n'ait pas déjà un paquet posé devant elle. Et là, ça change tout, vous vous en doutez. Pourquoi ? Parce qu'il va vous falloir vous dépêcher de choisir votre tuile, pour ensuite refiler ce paquet qui vous reste à la personne que ça va arranger le moins. Et c'est là tout l'intérêt du jeu. Le draft est beaucoup plus dynamique, ça part un peu dans tous les sens autour de la table, il y a parfois des éclats de rire, des joueurs qui ronchonnent, enfin, c'est vraiment un jeu qui est pour moi super dynamique, qui crée vraiment une émulsion autour de la table, et c'est pour ça que j'adore y jouer. En plus, les parties sont aussi relativement courtes, on va être entre 20 et 25 minutes de partie. Le jeu, on peut l'expliquer vraiment en une dizaine de minutes, donc c'est plutôt facile dans la prise en main encore une fois, vous pouvez poser vraiment à tout type de public. Et pour moi, sa force supplémentaire, c'est qu'il existe trois modes de jeu différents. Vous allez avoir le mode classique, où chacun joue pour soi, donc on va essayer de se passer les tuiles, le scorer, faire le plus de points à la fin de la partie. Et il va aussi y avoir donc un autre mode de jeu, qui est un mode de jeu qui se joue par équipe. Donc là, ça va être valable pour 4 à 6 joueurs, donc on va être en équipe de 2. On va essayer de s'entraider avec le coéquipier, accomplir des missions en duo, et à la fin de la partie, c'est uniquement le score le plus faible des deux coéquipiers qui compte comme score final de l'équipe. Donc ça, c'est ultra malin, parce que forcément, on va devoir vraiment essayer de monter notre score, mais aussi celui du coéquipier. Et enfin, il existe un dernier mode de jeu, qui est le mode de jeu de 2 joueurs, où là, il n'y a plus de draft, mais ça va être un jeu d'un peu d'élimination de tuiles, de choix, de blocage de l'adversaire. Et moi je trouve ça génial parce que souvent, malheureusement, il arrive dans les jeux de société qu'on a un mode de joueur qui soit une béquille ou un troisième joueur virtuel. Et ça, je trouve que ça tombe pas très très bien. Sauf que là, l'auteur a vraiment pensé à une vraie mécanique pour rendre son jeu jouable à 2 joueurs et intéressant et pareil, super, super tendu et super rejouable. Donc voilà, j'avais très envie de vous parler de Big Monster. Essayez-le, il est génial, vous allez vous amuser et voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à faire de folles parties de Big Monster. Je vous dis à très bientôt.